Salut, c'est Sarah de Beauté à Thé et on commence la séquence des maquillages de Noël et du Nouvel An. Donc j'ai commencé par du rouge et du noir, je pense, vu la luminosité pourrie, la neige et tout, vu que j'ai mis la lumière et tout, je pense que vous verrez ça rose et noir, ce qui est dommage parce que c'est vraiment rouge et vert. Je voulais mettre des fossiles mais bon, une grande flemme m'a envahi. Voilà. Donc on commence avec un pinceau plat. Et du rouge, donc c'est le E55 de Sigma et le rouge, et bien j'ai que du rouge dans une palette, c'est la 88 couleur, donc c'est un rouge mat, un vrai rouge. Je vous ai dit quand même, on commence pas par ça, vu que là j'ai voulu faire un code crise en gros, et bien j'ai pris un crayon donc noir, là c'est un 24/7 d'Urban Decay. Et on le fait, on marque le creux, là où on a envie de le marquer en vérité. Donc c'est mieux de le faire sur œil ouvert. Et avant ça, j'ai évidemment mis la première pochette. Voilà. C'est à peu près bon. Pas que ce soit trop non plus parfait, mais par contre faut pas qu'il y ait de noir ailleurs quoi. Là il y en a ailleurs. Et c'est pas bien. Voilà. Ensuite avec un petit pinceau biseauté, j'ai en fait comment dire ça, un peu flouté cette ligne. Voilà. Qu'elle soit un peu moins franche. Voilà. Et toujours avec le même pinceau, j'ai pas pris le rouge, mais j'ai pris un vert, donc un vert assez foncé, qui est donc celui-ci. Je l'ai pris donc pareil sur ce bout de pinceau biseauté. Et je suis repassée dessus quoi. Histoire que le noir prenne un peu de teinte. Verte. Et en fait ce qu'on fait c'est qu'on estompe comme ça, enfin pardon, on estompe comme ça en faisant des petits mouvements vers le haut. C'est comme ça qu'on fait. Très très dur de faire des vidéos, soit j'ai pas le temps, soit il fait moche. Ah mon chien quoi. Je déteste l'hiver. Voilà. Donc voilà. Donc là on a commencé à donner la teinte verte à la ligne. On prend un pinceau crayon. Donc là c'est le E30 de Sigma. Hop, je reprends ce même vert foncé. Et je vais repasser dans la ligne. Ça floute encore plus. Hop, on estompe vers le haut. Et là, avec le pinceau plat et le rouge, cette fois-ci, c'est bon, c'est ça. Hop. Hop. Et hop. Sur la paupière mobile. Yeah, yeah. Donc, c'est un vrai rouge sang. Très joli. Très 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 joli. Voilà. Donc là, on a posé le rouge. On revient avec le vert. C'est très dur de garder le vert vert. Et hop, là, moi je vais fermer. J'aime pas trop quand. Là, vous voyez, ça reste ouvert. J'aime pas trop. Moi, je préfère fermer. Mais vous n'êtes pas obligé. Ça, c'est une question de goût. Moi je préfère fermer. Je trouve ça un peu plus intense et plus joli. On
Voilà, on entoure complètement la couleur rouge en fait, de vert. Voilà. Donc voilà, là on va fondre un petit peu avec le rouge encore un petit peu plus. Pour être sûr que c'est comme on l'a souhaité. Avec un petit pinceau estompe, on va flouter ce vert. Pourquoi rouge et vert? Parce que c'est Noël. Noël. Souvent les décos sont rouges, vertes et dorées. Vous avez bien remarqué. Mais enfin. Et j'ai utilisé un fard de la collection Venomous Villains de MAC qui s'appelle Vainglorious. C'est un frost et en fait c'est un violet avec des reflets rouges. Donc je me suis dit qu'il ferait une très belle estompe en fait. Légèrement vers le haut. Il se voit à peine hein, mais comme il a des connotations rouges, il choque pas. Il est un peu irisé, ce qui est pas plus mal vu qu'on a utilisé que du mat. Et il va permettre de flouter la ligne de vert. Donc finalement le vert n'est plus vraiment vert après tout ce travail. C'est un peu dommage quand même, mais... Ça fait partie du côté un peu dommage de la chose. Voilà. Et ensuite avec une couleur chair, hein, comme vous voulez, brûlé ou de MAC ou bien vanilla, enfin qu'importe. Là c'est un truc de la 88 couleur, hein, beige. Hop, je viens encore plus flouter. Avec le petit pinceau crayon, je prends un vrai doré. Donc j'ai pris un doré de la palette Alice in Wonderland. J'ai pris le Oraculum. Tic. Qui est donc le doré le plus doré que je connaisse. C'est un doré foncé en fait, c'est ça qui est bien. Un peu bronze. Je voulais pas un doré clair pour faire tout le ratis inférieur. Hop. De là, je reprends mon petit 24-7 noir, je me fais la muqueuse. Et j'avais pas envie de mettre de la liner liquide, ça me saoulait. Donc j'ai fait ma pémarde avec le crayon, on va intensifier légèrement le ratine. Là, il faut y aller de manière un peu, enfin très légère, même pas qu'un peu. On va dans les cils. Sauf à la fin où on peut faire un petit retour comme quand on met de la liner en fait. Et ce retour on va le flouter avec encore le pinceau crayon, encore un peu de vert. Et on le floute. On le smudge. Voilà, ça intensifie encore un peu plus l'extérieur de l'œil et puis bon. C'est pas du luxe non plus. Je mets du mascara, je reviens tout de suite. Voilà, donc c'est fini. J'espère que ça vous plaît. C'est un maquillage assez dramatique où le creux de la paupière est très marqué. Donc je peux comprendre que ça choque un petit peu. Sur les joues, j'ai un blush de NARS qui est donc orgasme. Et sur les lèvres, un gloss de Céclarin. Ça atteint 3, un doré foncé. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Bon, c'est un peu spécial, moi je ferai pas ça pour Noël. Hein. Demain, maquillage peut-être qui moi en tout cas va plus me plaire, c'est dans les tons argent et bleu marine. J'aime beaucoup cette association. J'espère que ce sera pareil, enfin demain. J'espère que ce sera demain. En tout cas, c'est dans la semaine quoi. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Salut.